Et ben voilà. Et puis vous savez, en cette période, il y a eu des guerres un peu de partout. Et donc il faut partir pour abolir le chômage. Et à mon moglie qui mi dicevo, parti, parti con l'ogoette. Ma femme maintenant, elle m'ennuie. Elle veut que je parte en Bosnie. Que j'arrête de boire dans les bars les bébés pour aller vers la guerre en Serbie. Elle veut en plus que je me batte contre, comme on dit, les Croates. Que je vête ma tête avec un casque bleu et crier plus fort, allez les bleus. Au lieu de m'attendrir, elle veut que je parte aux Aïrs. Ensuite elle me dit, mon bébé, mon nini, tu iras ensuite en Tchétchénie. Pourquoi pas dans le Pacifique pour faire les essais atomiques. Et puis tu iras, quand t'auras fait le plein, mettre les bombes à gogo dans les trains. Ma femme, pourquoi, cocoette, la guerre a cessé en 3-7. C'est parce que là-bas, il y a plein de puits, de pétrole et puis puits et puis puits. Si tu veux chercher à comprendre, alors mon ami va te pendre. Et si tu ne sais pas, par la suite Wanda va crever là-bas ou Aranda. Ce monde ainsi fait de martyrs, un beau jour ils vont les haïr. Quand la paix viendra, ils vont dire ceci, à quoi donc la guerre a servi. Ils vont se renvoyer la faute. Ils non, c'est pas nous, c'est les autres. Et dire qu'ils ont dit, et le dire, et c'est ça. Plus jamais, jamais ça. Ma femme maintenant, c'est le diable. Elle veut que je me mette à table. Dans cette chanson que je rêve le tour. Maintenant, je m'arrête et c'est tout. Car si je vide les sacs, je me fais tirer par Chirac. Alors il vaut mieux rentrer à la maison qu'en prison et sans faire une raison.